Bonjour et bienvenue à l'épisode 3 de la série dans laquelle j'essaie de courir un demi-marathon en 6 semaines. Cette semaine, j'ai un gros défi quand même. Oh. Oui, allô? Oui. Ah, ben c'est fin, tu... Ouais? Ouais, c'est ça, c'est demain, ouais. Non, je sais, grosse journée quand même. Non, je pense que je suis prêt, par exemple. Tu voulais juste... Tu m'appelais juste pour me souhaiter bonne chance? Ah ben écoute, merci, c'est gentil, vraiment, là, j'apprécie. Non, sérieux, là. Mais justement, j'allais me coucher dans pas long, là, vu que, tu sais, je vais être prêt demain, là, je vais me reposer comme il faut, là. Ouais. Ben merci, je te remercie encore, là, vraiment. Bonne soirée, puis on s'en reparle. Salut. J'ai réussi. 17 km. Nouveau record à vie. La seule affaire, c'est qu'il m'a arrivé une petite bad luck. J'ouvre ma montre. Je sais pas, je sais comment je vais juste le mettre sur pause 30 secondes. Puis j'ai accroché le bouton arrêt. Fait que là, c'est pas grave, là, mais j'ai pas écrit. J'ai pas le workout de 17 km d'écrit quelque part. Fait que j'ai pas de preuve encore une fois. C'est pas grave. Mais que je fasse 21.1, il va y avoir une preuve. Je suis vraiment content. Tu sais, 17 km, ça a bien été. C'est la plus grande distance que j'ai faite dans toute ma vie. Dans 3 semaines, le 21.1 km. Puis, regardez, je vous avais dit que j'allais avoir des nouveaux cheveux ou une nouvelle coupe de cheveux cette semaine. Ça n'a aucunement rapport avec la vidéo, je voulais juste vous le dire. Fait que voilà, écoute, abonnez-vous. Abonnez-vous, là. Hein? C'est assez, là. Bye bye. À la semaine prochaine. Abonnez-vous, là.